Bonjour à vous. En 2023, faites du bonheur votre priorité. Mais commençons par définir, si on peut, un petit peu, qu'est-ce que c'est que le bonheur? La vie humaine n'est pas facile, nous rencontrons tous des difficultés, on peut être malade, on peut être licencié, on peut divorcer, on peut avoir des problèmes matériels, manquer d'argent. Nous vivons tous cela, je le vis aussi. Parfois, ce sont les gens que nous aimons, comme des enfants. Nos enfants qui vivent des difficultés, et quand nos enfants ont des difficultés, nous en avons aussi quelque part. Maintenant, dans ce côté un petit peu pas facile que peut avoir la vie humaine, il y a aussi ces moments où nous sommes heureux. Personnellement, j'aime marcher sur le chemin de Compostelle, j'aime marcher en montagne aussi. J'aime partir au week-end avec la femme que j'aime, comme je suis en ce moment. J'aime apprendre, j'aime me former. Il y a beaucoup de choses que j'aime et qui me rendent heureux. Je crois que dans la vie, c'est un peu ça, c'est faire le plus souvent possible ce qui nous rend heureux, parce que c'est cela qui va nous créer ce bonheur, même si il y a des jours où il fait gris, il y a des jours où il pleut, eh bien, derrière tout cela, nous savons qu'il y a ces moments de bonheur que nous pouvons créer. C'est ça. Il faut devenir créateur d'instants de bonheur, d'instants où nous sommes heureux, en faisant vraiment ce qui nous amène de la joie. Personne ne le fera à notre place, c'est à nous de le créer. Et si nous n'avons pas ce qui nous fait heureux, si par exemple vous êtes célibataire, veuve, divorcée, et que vous aimeriez rencontrer quelqu'un, vous devez développer tous les moyens possibles pour que cela se réalise dans votre vie. Et il faut être acteur. Et ne pas simplement être spectateur et vivre continuellement des choses qui se sont passées dans votre passé. Devenez en 2023 acteur et non plus spectateur passif de votre vie. L'univers est là pour tout vous donner. Il n'y a pas des gens qui vivent de l'amour et d'autres pas, ou des gens qui ont de l'argent et d'autres pas, des gens qui vivent des passions et d'autres pas. Non, il n'y a que des gens qui pensent autrement et qui surtout agissent. Vraiment, faites de l'année 2023 pour vous une année de l'action. Simple, être dans l'action, ce n'est pas se mettre en danger. C'est simplement vivre, aller vers ce que l'on veut, le créer. C'est à vous de le faire, personne ne le fera. N'ayez pas peur d'être heureux. N'ayez pas peur de vouloir construire un bonheur à deux, ou alors de changer de métier, ou de venir marcher sur Compostelle ou ailleurs, ou que sais-je encore. N'ayez pas peur de cet instant. Nous, les êtres humains, nous devons toujours être attentifs à nous dépasser nous-mêmes, parce qu'il y a toujours une partie de nous qui est trop dans le confort, qui devient apathique, qui n'a pas envie de faire. On s'endort. Dans notre société où la peur, le confort sont là, c'est bien, mais on s'endort et on n'ose plus. On remet à l'endemain, on procrastine, on n'essaie pas. Et en fait, quand on répète, on est mécanisé par la société commerciale qui nous rend apathique, endormi. On vit beaucoup comme des somnambules. Et de cela, il faut en sortir. Il faut se bousculer un peu. Et ça fait du bien de se bousculer. Il ne faut pas avoir peur de se bousculer un peu. Donc, pour cette année 2023, vraiment, je vous invite à être créateur d'instants de bonheur pour vous. Et plus vous allez en créer, comme un jardinier qui planterait chaque jour de plus en plus de fleurs, eh bien, vous allez voir qu'il y a un moment, vous allez récolter. Il ne peut pas en être autrement. Il faut arroser, il faut entretenir, il faut être patient. Mais je peux vous assurer que si vous le faites, à un moment, les choses vont changer pour vous, dans votre vie, dans vos amours, dans tout ce que vous voulez. Il faut vivre jusqu'au bout. Et quand on meurt, mais tant qu'on peut mettre un pied devant l'autre, tant qu'on peut réfléchir, il faut vivre. C'est ça qui nous fait rester jeunes et en pleine santé. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, venez marcher sur Compostelle en 2023 avec moi. Suivez ma formation
pour devenir psychopraticien, coach en thérapie, bref, formation individuelle de chez vous, et il n'y a pas d'âge pour la faire. Ou alors suivez mon programme En route pour l'amour, ou alors mon autre programme Confiance authentique pour toutes les personnes qui ont envie vraiment d'apprendre et de progresser. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Très bonne journée, à très bientôt. Et je vous le dis, soyez acteur. Être acteur de sa vie, c'est être dans la joie. Il y a des difficultés dans la vie, c'est pas toujours facile, mais il y a des instants de bonheur. Et soyons les créateurs de ces instants. Merci, à bientôt. Au revoir.